C'est un monde. Et aujourd'hui, nous allons en Angleterre avec Loïc Delamornay. Et au Royaume-Uni, les œuvres de charité et les associations sont légion. Voilà, tout le monde est incité à donner. Et l'exemple vient de tout en haut, au sommet de l'État. Alors, je ne vous parle pas du gouvernement, là, je vous parle de la monarchie. C'est ce qu'on va découvrir, justement, tout de suite avec Loïc Delamornay et Élise d'Herbaumé. Entre les pubs traditionnels et les boutiques de luxe, les charity shops ont envahi les rues de Londres. Et même dans ce quartier chic de la capitale, 1, 2, 3 de ces magasins solidaires côtoient les grands noms de la mode. Derrière ces devantures inhabituelles, des boutiques dans lesquelles l'on vend vêtements, chaussures ou livres pour un prix dérisoire. Tout le monde peut venir y trouver son bonheur, les Britanniques dans le besoin comme ceux attirés par les bonnes affaires ou la bonne cause. L'argent de chaque vente sera entièrement reversé à une association caritative. Suzy Barber travaille pour Age UK, une association qui vient en aide aux personnes âgées dans le besoin. Cette boutique caritative se trouve dans le quartier de Camden à Londres. Et nous aidons les gens de ce quartier. On y trouve beaucoup de personnes âgées, seules, dont personne ne s'occupe. Nous, nous pouvons leur venir en aide, les faire se sentir moins isolés. Dans un monde idéal, c'est l'État qui prendrait soin d'elles. Mais il ne le fait pas. Donc c'est aux associations de prendre le relais, d'aider les plus pauvres et plus vulnérables. Pas de subvention pour cette association qui fonctionne grâce à la générosité des Britanniques. Tout ce qu'achètent ses clients provient de dons de particuliers. L'argent récolté finance l'aide à domicile ou des cours d'informatique. Vous pensez que Londres et la Grande-Bretagne s'en sortent bien ? Mais ici aussi, vous pouvez voir des gens mendier dans la rue, tous les jours. Et ce sont eux qui ont besoin d'aide. Je viens dans des boutiques comme celle-ci car je pense que leur soutien financier peut aider ces personnes à trouver un toit et ne pas passer la nuit dans le froid. À Birmingham, ville la plus touchée par la pauvreté, la solidarité s'organise aussi pour pallier le manque d'aide de l'État. Pour cette association qui vend du mobilier de seconde main à prix cassé, pouvoir posséder un lit, une table ou des chaises est essentiel. J'ai acheté un lit et aussi quelque chose de très important pour mon fils, une commode. Son nouveau lit ne lui coûtera que 45 euros. Une joie inestimable pour cette maman de 3 enfants. Je travaille ici depuis longtemps et jamais la ville n'est venue en aide aux personnes dans le besoin, notamment ceux qui viennent d'arriver dans le pays. La femme qui vient d'acheter un lit est la cliente type, quelqu'un à qui on a donné un nouveau logement et qui dort par terre. Comment ça va, mon ami ? Tu as des choses pour moi aujourd'hui ? Depuis plusieurs mois, à la nuit tombée, ce bénévole fait la tournée de Camden, le célèbre marché londonien et ses stands de nourriture du monde entier. Il vient y chercher les invendus de la journée, qu'il redistribue ensuite gratuitement via une application mobile. Une nourriture destinée à la poubelle qu'il met à disposition de ceux qui n'en ont pas les moyens. Je viens de mettre en ligne la nourriture sur l'application. Les gens qui vivent dans les environs vont recevoir une notification pour leur dire qu'elle est disponible. Dans les minutes qui suivent, les premiers utilisateurs de l'application arrivent, comme ce père de famille. On économise énormément d'argent. On ne peut pas s'offrir la nourriture donnée ici, car c'est bien plus cher que ce que l'on achète habituellement. Du artisanal, par exemple, on n'en achète jamais. Tout sera parti dans la soirée. Ces applications d'économie solidaire se développent considérablement outre-Manche. Cheers, Jonathan. Bye bye. Preuve que les Britanniques n'ont pas fini de donner de leur temps. Merci Loïc Delamornay.